Le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Amen. Il est vraiment important de le louer. Le louer parce que ce n'a pas de prix. Amen. Amen. Il a donné sa vie. Amen. Depuis que Satan ait raison sur toi, il a donné sa vie. Amen. Toi, pécheur, Amen. Pour que tu aies la vie éternelle. Amen. Il a donné sa vie. Amen. Pour que la maladie n'a plus le pouvoir sur toi. Amen. Il a donné sa vie. Amen. Pour que les œufs de la sorcellerie soient jamais vaincus sur ta vie. De Jésus-Christ. C'est lui qui est le roi des rois, il est le Seigneur des Seigneurs. Oh, du moment où je vais, j'ai dit, oh, tu m'as Thank you.
chemin. Fais chemin avec Jésus. Il ne faut plus repousser chemin. Il ne faut plus marcher arrière. La Bible déclare que celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Aujourd'hui à 16h, j'étais en direct de la télévision lyonnaise. C'est quand nous sommes devenus comme des stars dans ce pays. Je suis fort supplié, les gens m'appellent partout. J'en profite pour remercier le directeur de la radio, de la télévision lyonnaise, Jean-Mathieu Tartas. Tartas. Merci pour tout ce que tu fais pour ce ministère, parce que déjà lit des réunions, les gens commençaient à comprendre, et nos vidéos ont commencé à diffuser dans cette télévision. Ce sont des Antillais, c'est une partie de la France, qu'on appelle la France d'Outre-mer. Ils sont situés juste vers la Madagascar. Ils seront là dans le mois d'août. Ils seront là dans le mois d'août. Dans ces deux jours, nos vidéos sur l'internet, la télévision lyonnaise a commencé à reprendre. Ils ont repris toutes nos vidéos, ils ont commencé à reprendre les qualités, ils ont commencé à donner des bonnes images. Vraiment, pour nous, c'est une bénédiction. Amen. Je dis merci, c'est déjà suivi. C'est déjà suivi, nos mouvements sont suivis. J'annonce que nous sommes suivis par 102 pays. 162 pays dans le monde entier et par nos actions, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été délivrées, il y a eu beaucoup de personnes qui ont reçu leur délivrance. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir. Vous êtes à Péniel. Ici on appelle Péniel. Dis à quelqu'un que tu es à Péniel. Amen. J'en profite pour saluer ceux de l'Autriche, tous les frères qui se trouvent au Qatar. J'en profite aussi pour saluer tous les amis, tous les enfants spirituels de Norvège. Et puis les Brésiliens aussi ont pris notre affaire. Et c'est devenu comme leur affaire, je vous assure. Le monde entier a commencé à prendre au sérieux ce qui se passe à Zaruco. Amen. Amen.
mois de juin, juillet, août, vous allez voir tous les gars, vous allez voir des blancs ici. Jean-Mathieu, comme je l'ai dit, j'ai dit de la télévision Réunion, il est vraiment pressé, il veut me presser pour venir à Zaro. Il est chaud même pour venir. Oui, chez eux, est-ce que vraiment c'est une réalité? Est-ce que c'est vrai? Il est noiré. Il me pose la question. Ils sont pressés pour venir. Jésus est ici. Jésus est ici. Notre Dieu opère des grands miracles. Et j'en profite en même temps pour dire merci à ceux qui m'ont soutenu. Ça fait 4 jours ma voiture, le moteur de ma voiture est soutenu. Oui, parce que la voiture était constamment en panne. Le moteur allait prendre un coup. Effectivement, le moteur a pris un coup. Donc le moteur est irrécupérable. Vraiment, à cause des saluts des arbres. Moi, je peux rester à Divo. Si je suis à Divo, tout Divo sera chez moi. Si je suis à Abidjan, je peux rassembler 2000 ou 3000 personnes. Mais Dieu a voulu que je sois ici. Je me retourne à 1h, 2h du matin. Je traverse cette voie. Je prends des risques pour Divo, pour revenir, pour partir de revenir. En cause du salut des âmes. En cause de l'amour que j'ai pour les âmes. J'ai dit aux gens, aidez-moi. Ma voiture. Mais heureusement, je remercie le pasteur Kwasi Lunoa de Washington qui m'a envoyé un soutien. Aujourd'hui, pour réparer ma voiture, je remercie aussi pas mal de gens qui m'ont soutenu. Depuis hier aujourd'hui, les gens commençaient à m'apporter leur soutien. Amen. Voilà. Il y a une jeune soeur, elle s'appelle Audrey. Elle a Londres, on ne s'est jamais vu. Elle a eu l'annonce sur l'internet. Elle a décidé de me soutenir. Amen. Et j'étais fort surpris de voir que même ceux de Vata, personne ne m'a soutenu. Aujourd'hui, on me demande au Brésil. Les gens veulent payer mon transport. Ils veulent. Même au Canada, les gens veulent tout faire payer. Mais je suis en Brésil. Et pourquoi, oui? Ce qui me fait mal, c'est que ma voiture, là, j'ai mis plus d'un million, c'est tout, c'est gâté. Ça se gâte, je mets 100 000. Ça se gâte 100 000. Jusqu'à ce que c'est gâté. Mais je bénis le nom du Seigneur. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Pour ceux qui m'ont soutenu. Voilà, pour ceux qui soutiennent. Et je vous assure, mais les choses, je n'ai pas vous les dire, pour ne pas que ça vous choque. Il y a des cadres parmi vous qui m'ont appelé pour m'insulter. C'est pas pour me décourager. C'est que tu vas voir, ta voiture est gâtée, non? Comme si ce qu'ils sont en train de faire à Zaroko est mauvais. Non, mais non, ça va. Votre amitié est fermée. Ah, pas de la compte, non? Amen. Vous voyez, il faut avoir le cœur pour entendre ça. Il faut avoir vraiment l'amour des âmes. Tu as où gagné, Walou? J'ai dit aux gens aujourd'hui, là, si j'avais fait le tour du monde, j'ai fait. Aujourd'hui, si j'ai dit aux gens, envoyez-moi un billet, je m'en vais. Tout le monde a droit à la vie. Tous les grands pasteurs, quoi, ils sont habitants. Parce que ils sont dans les villes. Ils sont dans les grandes villes. Mais moi, je suis dans Bruce. Je suis dans Bruce. C'est ce qui est vrai. Mais les noirs. Et puis, je suis en train de vous sauver. Vos boissons m'insultez dedans. Vous ne faites plus de funérailles. Amen, il n'y a plus de funérailles. Non, mais il est con. Amen. Amen. Mais j'ai compris que. Et nous, eux-mêmes, les étaient des sorciers. Moi, ils vont plus tard. Donc, je leur ai dit merci. Et là, elle ou quoi? Mais je ne lâche pas. Et qui est con? Je ne lâche pas. Les Brésiliens me découvrent.
lit la réunion me découvre. L'Australie me découvre. Les gens veulent. Leur aurait dit, moi, je me sens plus à l'aise en Afrique. C'est ici qu'il y a des mangeurs d'âme. Moi, je suis fait pour les mangeurs d'âme. Parce que vous allez me faire manger des pizzas. Vous allez grossir encore, grossir. Et puis, attendez, grossir. Je vais courir derrière son ciel à travers. Amen. Je bénis Dieu. Pour tout ce qui m'arrive. Que ça soit bien. Et ma voiture est gâtée. A lui la gloire. Mais moi je ne lâcherai pas. Parce que moi, l'homme a droit à la vie. L'homme doit vivre. Je ne vais pas permettre que quelqu'un vienne faire la vie d'une personne. Donc je profite pour dire merci. Et vous qui m'insultez là, je vous encourage, allez-y. Mais tout se perd sur la terre. Voilà. Mais je vous dis, il ne lâchera pas. Le combat va continuer. À vous peignez. Nous démarrons une retraite. Le à la compagnie. Vous savez quand vous savez pour ceux qui n'ont pas peut-être voiture, mais quand ah ouais, tu as gâté, c'est comme un enfant qui est mort. Il va dans la yoko. Voilà. Amen. Là, c'est ton pied. Ça va comment là? Oui. Je vous assure, si, c'est ce qu'il dit aux gens. Si moi, Faso, je suis équipé, j'ai au moins 3 ou 4, 4, 4. Et quand même, tu es loin quand même pas non. Mais arriver à Bogogo, bro, c'est facile. Encore comment il est dit. Arriver à Zogo, ça serait facile. Arriver dans les zones, ça serait facile. La voiture Lamborghini que j'ai là, ce n'est pas adapté à cette voie. Mais malgré ça, je suis ici. Mais ça y est, et ma prière, c'est que je sois équipé. Si je suis équipé, vous allez voir. Vous allez voir. Allez bien. Amen. Amen. Et chaque chose à son temps. Je crois au miracle de Jésus. Je ne pense pas à moi. Si je pensais à moi, je n'allais même pas être à Zaroko. J'allais m'asseoir à Bita. Mon chauffeur me disait, quand j'arrive à Bijan, je n'ai pas de repos. Tout le monde veut me voir. Tout le monde. Je leur donne rendez-vous ici. Parce que pour moi, il faut que nous, les hommes de Dieu, nous allons dans les villages pour les gens. Il faut que nous évangélisons nos parents qui sont dans les villages. Nous allons venir à Jésus-Christ. Amen. D'autres me disent, l'enfant que tu as là, c'est pas fait pour le village. Il est tout petit comme nous. Il a dit, tu as vaincu 5 fois. Non, parle pas. Tu as vaincu 5 fois. Et c'est à couper. Moi, il y a 300, il est où? Vous voyez quoi? Sorti de ma village. Dis vite à quoi, quoi? C'est quel enfant qui n'est pas fait pour le village? Ah, t'as dit, nous allons aller d'où? C'est quoi l'évangile? Il avait ça là où Dieu m'a appelé à l'évangéliser. C'est pour évangéliser. Il a un premier conseil. Parce qu'ils ne sont pas équipés. Mais vous-même, vous êtes témoin. Depuis que j'ai commencé mon travail dans la région, la mentalité a diminué. Allez à Gogo, vous allez demander. Allez ici à Boba. Comment allez-y? Vous allez demander. Ici, on ne parle pas. L'armée fermée. Ils ont brûlé. Les casseroles sont jetées. Ils ont fermé les cuisines. Ils ont jeté les gaba, oignons, tout ça, ils ont jeté. Il n'y a plus marché, gaba, tout ça, ils ont jeté. C'est ce qui est vrai. Mais la paix noire. Maintenant, là, c'est payé. Mais, après paix, là, c'est un miracle. Il a dit que c'est médical. Sorcier qui a fini à manger l'homme là. On dit un corps. On mange tout. Et là où la sorcellerie est combattue, la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, mais connaît son nom. Et la vie s'installe. Amen. Demandez un peu dans la région, vous allez voir. Ah, il a bien. C'est fini ça, parce que c'est une concurrence. Et il y a un corps. On mange ici. Wakapeni. On va aller manger pour le Dominica. On va manger de l'autre côté. On fait le tout, on mange. Ça, on a fermé les dents. On a fermé les cuisines. On a tout fermé. On a brûlé les marchés. Les gabas, les qui mangent, les tomates, on s'en est brûlé. Les bébés sorciers sont délivrés. Tout le monde est mis chez vous, il a empoisonné. Yeah, 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 yeah! Amen. Yeah! 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 Yeah!
Ceci est dit aux gens, regardez-moi son nom. C'est pas vous qui cherchez moi. S'il ne peut pas me détruire à cause de Jésus, je dis moi, je vais voir si vous détruisez. N'ayez pas peur de leurs menaces. Ils ne sont pas plus puissants que Dieu. Vous avez Jésus-Christ. J'ai un temps pour toutes choses à dire là-dedans. J'ai un temps où le diable règne. J'ai un temps où Dieu se lève. C'est la fin de leur règne. Amen. C'est ce qu'il dit aux gens. Vous allez voir le résultat scolaire. Vous allez voir. Les enfants à avoir des moyens. Vous passez à la classe supérieure. Parce que les données ont changé. Là où Dieu est, il y a la bénédiction. L'homme a droit à la vie. Voici le contrat dans le bâtard. Je m'en fous, mais je m'insulte. Le monde fait un travail, les gens ne meurent pas. Les gens ne meurent pas au moins, ça c'est quoi? On ne perd plus de cercueil. On ne les enterre plus. Ça c'est déjà un grand travail. Je m'en fous de tes menaces. Et il n'y a pas de sorcier. Demandez et dites aux sorciers de vos villages. Vous parlez la grâce, dit la raison de vous. La grâce dit qu'il est invité le chef. C'est lui qui dit les sorciers. Il est même invité chez lui à la maison. Ce jour-là, il va voir. Je lui ai fait manger sa propre maison. Et je vais vous enseigner beaucoup de choses pendant des retraites spirituelles. Il y a beaucoup de choses à vous enseigner. Vous puissiez dominer. Que personne ne vienne régner sur vous. C'est pour Dieu t'amener à dominer. C'est vous qui devez dominer. Amen. Depuis que je suis dans ce bâtard, tout commence à bouger. Maintenant, j'ai appris, on dit que la mine veut faire route ici. Et nous, amen. La route est en développement. Là où la sorcellerie est combattue, le développement s'installe. Parce qu'ils sont anti-développement. Amen. Est-ce qu'on peut éteindre la table, s'il vous plaît? Respectez Dieu. Vous venez dans les prières, vous n'êtes pas béni, parce que ça dépend de comment vous venez dans les prières. Vous êtes distrait. Quand on vient prier, on fait portable. On a plus la contact avec les humains. Et on a la présence de Dieu.